Bonjour! Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo, ça va être un banger. Moi je vous le dis, c'est un banger tout de suite. Et là, un nouveau plan. Et oui les gars, c'est comme ça. Maintenant, un nouveau plan. Sorry. Sorry. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, on prank ma mère. Je sais pas, j'ai pas le script. J'ai pas le script. Il est sur mon téléphone il filme là-bas, là où vous êtes là, vous. Je peux pas faire semblant. Donc, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Bon, on verra ce qu'on fera. Carpe diem, comme ils disent. Pierre qui roule, n'amasse pas mousse. Je gratte, gratte, et la nuit, je me défoule contre tes textes. C'est le bruit de mes poules contre tes fesses. Ok, les gars. C'est parti. Attends, mais filme pas, je suis un peu gêné, mec. Vas-y. J'ai trop mal au cul. J'ai trop mal au cul. J'ai trop mal au cul. Il avait fini de s'essuyer sur mon anus. Le PQ défile le long de la lune. J'ai bouffé tout son sperme car je suis un peu homosexuel. Un peu sexué, mon texte repose sur cet été. Je les regarde comme si j'étais sur YT. Ma bite le long de son bidou. Quelques poils se connectent entre eux. Ça me rappelle l'épilation qu'il m'a fait sur mes cheveux. Quelques poils. Son regard me dilate, me fait mettre à quatre pattes. C'est chaud à dire quand j'aspire son gland comme une spaghetti. Ça, c'est de bonnes pattes. J'écoute du PK, ses sons me font planer comme moi au trône en train de faire caca. Je baisse des cums sans m'arrêter. Non, je peux pas m'arrêter. Je continue jusqu'à tirer à blanc. Papa. Ouais, papa, t'en fais pas. J'ai jamais voulu te refaire les fesses comme les autres garçons de cette génération. J'ai jamais été dans ce lifestyle. Les gadgets ne me font plus bander. Je crois que j'ai commencé à souffler dans la chicha. En vrai, il y avait un petit niveau. Y'a rien, ça pue là. Je suis un peu ému. Y'a rien, je suis un peu ému, ça m'a rappelé mon enfance. Je gratte, gratte, et la nuit je me défoule contre tes textes. C'est le bruit de mes poules contre tes fesses. Vas-y. Ouais. Ouais. Petite fesse. Petite fesse. J'attaque les cours avec Cunidien en tête. Venir pour pouvoir fouetter ses petites fesses. Une balle dans sa tête pour que je puisse lui mettre. Je te la fouette. Mais aujourd'hui, tout a changé. Avec toi, je suis juste occupé à t'envoyer mes bébés. Et si ça te plaît, on peut s'arranger. Il te fait juste de ne pas le ranger. Garde-le tout aussi mouillé. Et surtout, viens me le coller. Après, si ça te plaît, on peut continuer à rester excité. Petit pas de bourré et hop, je te la mets. Ça va être, celui-là est un peu plus court. Pas forcément mieux. Il t'arrache, il t'a mis mille fois mieux. L'autre m'a ému car c'était des souvenirs plutôt. Régal citron. C'est une mauvaise volonté. Ça. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire un salto avant. Alors d'abord, on saute assez haut. Et bien, si vous savez faire des galipettes, vous savez faire un salto. Il faut juste sauter et après faire un galipette. Voilà. Tu déguistes, hein? Petite dégustation de vin. Voilà. Donc je suis amateur en vin, je vous ai jamais dit. On va commencer par observer la robe. Pas très belle robe si je peux me permettre. Pas non plus très belle robe si je peux me permettre. Voilà, voilà où. Maintenant on va goûter. Et ben c'est du bon raisin. Voilà, je pense que l'agriculteur était plutôt perfectionniste. C'est un vigneron plutôt. Le vigneron était plutôt vigneron, je pense. Voilà. J'ai touché la grosse merguez de mon chien pour voir sa réaction. Un matin, je me lève et je vois mon chien en train de dormir, sauf que sa merguez était bien gonflée.
petit story time. Là, je viens d'aller prendre ma douche. Et avant de prendre ma douche, comme d'hab, je flex un peu, bam, comme ça, dans le miroir. C'est pas, j'enlève mon t-shirt et guettez ce que j'ai dans le dos. C'est pas, j'ai plein de marques. Lâchez un like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et laissez un petit commentaire, ça nous fera très plaisir. Bisous.